At Bordeaux, 88.1. Campus Bordeaux, 88.1. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Histoire Sonore, votre rendez-vous bimensuel sur les ondes de Campus Bordeaux 88.1. Je suis Christophe Salzac avec vous jusqu'à 22h pour vous parler ce soir du parcours musical du duo écossais Birds of Canada. Thank you.
Nés à Édimbourg au tout début des années 70, les frères Sandinson, dont l'aîné est baptisé Michael Peter et le cadet Marcus Ewing, grandissent dans un environnement familial très ouvert à la musique. Au-delà du fait d'apprivoiser toutes sortes d'instruments de musique dès leur plus jeune âge, la légende raconte qu'ils auraient expérimenté leur première technique d'enregistrement aux alentours de l'âge de 10 ans en découpant et en recollant des morceaux de bandes de cassettes audio où étaient archivées leurs propres compositions. La légende, toujours elle, narre également l'autoproduction d'un premier album 8 titres, Catalogue Free, soi-disant édité en édition très limitée sur cassette en 1987 et estampillé par leur propre label Music 70. Un album que personne n'a jamais eu l'occasion d'avoir entre les mains et que seul le site officiel de Boards of Canada mentionne. Il en est de même pour Acid Memories, vraisemblablement paru en 1989, ainsi que pour Closes Volume 1, édité en 1992, et que des collectionneurs acharnés recherchent en vain sur toute la surface du globe, sans que jamais quelqu'un puisse se vanter d'en posséder un exemplaire. De fausses copies pirates de chacun de ces trois albums circulent pourtant, compilant plusieurs titres étalés sur toute la carrière du duo, en n'offrant aucunement la possibilité de découvrir un quelconque titre inédit de cette époque. Des légendes comme celle-ci, les deux frères de Boards of Canada se gardent bien d'en révéler la véritable teneur et en font encore aujourd'hui vent de mystère. Il en est de même pour le collectif artistique Hexagon Sun, soi-disant basé à une trentaine de kilomètres du centre d'Édimbourg et dans lequel auraient contribué les frères Sandinson ainsi que sept autres artistes, dont Christopher Horn, qui fera plus tard carrière sous le pseudonyme de Christ. Pour l'heure, que toutes ces légendes sur l'hypothétique prématurité artistique des frères Sandinson soient vraies ou pas, elles contribuent largement à l'aura mythologique qui entoure Boards of Canada et passionne littéralement son public. S'il reste quelques faits avérés, celui de l'apparition du EP Play by Numbers en 1994 en fait incontestablement partie. Édité à 100 exemplaires seulement, Play by Numbers reste encore aujourd'hui le EP le plus recherché de Boards of Canada. À l'époque, le critique musical Richard Southern se fend d'une chronique dans les colonnes du fameux magazine musical britannique Jockey Slut et décrit un disque à tendance électronique très fortement influencé par les expérimentations shoegaze des Irlandais de My Bloody Valentine. Jamais réédité et totalement introuvable, seul un extrait de 56 secondes du morceau Wouldn't You Like To Be Free est publié un temps sur le site IHX à la fin des années 90, avant de totalement disparaître. Ces 56 secondes, les voici, elles sont rarissimes, très très courtes et donc extraites du EP Play by Numbers de Boards of Canada. Le mystère des premières compositions de Boards of Canada se dévoile un tant soit peu avec cette courte portion extraite de leur quatrième parution discographique. Une cinquième production nommée Upper Bay, éditée sur vinyle et cassette audio en seulement 200 exemplaires, voit le jour en 1994, toujours sous l'impulsion de leur label Music 70. Un EP rapidement épuisé et dont aucune trace n'est identifiable sur Internet ou ailleurs. Comme pour les précédents volets, de fausses copies pirates et de faux fichiers échangés sur les réseaux peer-to-peer circulent abondamment, proposant le plus souvent des productions du groupe expérimental islandais MUM, en lieu et place des titres initialement composés par les frères Sandinson. L'année suivante, en 1995, c'est au tour de l'album Truism d'être pressé en une centaine d'exemplaires seulement. Et si c'est à l'écoute de ce disque qu'Andy Maddox, directeur du label indépendant mancunien Scam, repère le travail de Boards of Canada, il faudra tout de même patienter 7 ans avant que le label Warp ne le réédite enfin en 2002.
longtemps resté une rareté et vendu très souvent une véritable fortune sous le manteau, Truism sera 7 ans plus tard considéré comme le premier album officiel des frères Sanderson. Un disque d'une qualité artistique exceptionnelle, alliant mélancolie innocente et abstract granuleux, tel le titre Base Free, anagramme du terme argotique Free Base, terme désignant la cocaïne, que j'ai choisi de diffuser pour illustrer ce superbe disque, Boards of Canada, sur Campus Bordeaux.
Comme je l'ai précédemment signifié, Andy Maddox, directeur du label indépendant Scam, découvre en Boards of Canada un passionnant panel de créativité. Et bien que la pochette de Truism crédite un troisième membre en la personne de Christopher Horn, parti depuis poursuivre d'autres aventures musicales, ce sont seulement les deux frères Sandyman qui signent sur le label mancunien pour un EP qui va très rapidement les rendre cultes auprès d'un large public de fidèles. Ice Curries, dont la plupart des morceaux sont extraits de la mixtape Bok Maxima, édité confidentiellement quelques mois plus tôt, sort en décembre 1996 et propose 6 titres taillés tels des joyaux. Tout autant inspiré par l'ambiance de Brian Eno que par le funk de Chaka Khan, samplant par ailleurs la rythmique du tube planétaire Last Night DJs of My Life du duo américain Indeep, les frères Sandinson composent également ici l'un de leurs plus beaux morceaux avec June 9th, extrait de Ice Curry's Birds of Canada sur le 88.1. Yeah.
Hors du succès autant public que critique du EP Ice Curries, le duo Bands of Canada s'amuse à brouiller les pistes dès l'année suivante, en 1997, pour apparaître sous le pseudonyme de L Interface. Si ce nom d'emprunt leur servira essentiellement au fil du temps pour divers travaux de remix pour le compte entre autres des Américains de Midnight Star ou de Colonel Abrams, le projet L Interface apparaît pour la toute première fois sur un 45 tours vinyle, lui aussi totalement introuvable aujourd'hui, proposant un projet un peu particulier aux côtés de James Kirby, qui officie ici sous le pseudonyme de VVM Test, sur le label du même nom. Relecture expérimentale de plusieurs chants de Noël, ce 45 tours nommé Wine and Missing Two est limité à 500 exemplaires seulement et voit le choix des frères Sandison se porter sur le très célèbre Silent Night, composé en 1818 par l'allemand Franz Xaver Gruber et retitré ici Solemn Night, harmonisé aux côtés de l'une des plus grandes compositions liturgiques de Jean-Sébastien Bach, extrait des cantiques Magnificat, composé en 1723, Solemn Night explore un univers jusqu'ici inédit par le duo Bands of Canada et que je vous propose d'écouter. Issu de ma collection personnelle, avec les craquements du vinyle en sus, voici le très rare Solemn Night de Bands of Canada, officiant ici sous le pseudo de L Interface. Passage éclair chez SCAM ou VVM Test, Bands of Canada se voit intégrer la prestigieuse écurie du célèbre label de Sheffield, Warp Records. Le duo, qui empruntait son nom au documentaire éducatif de la structure National Film Bands of Canada, se voit réaliser un album d'une stupéfiante maturité qui puise vraisemblablement ses racines chez Pink Floyd, Cocteau Twins, The Orb, Aphex Twin, ainsi que dans les séries enfantines telles Sesame Street et le cinéma.
album thématique dédié à l'enfance, Music Has the Right to Children est édité en avril 1998 et devient rapidement un album culte. Tout autant adulé par les adeptes d'IDM que par le public techno, Birds of Canada devient du jour au lendemain le groupe dont tout le monde parle. Et bien que de nombreux titres de l'album soient déjà apparus sur l'album Truism, la mixtape Bok Maxima ou la série des trois compilations Old Tunes distribuées confidentiellement sous forme de cassettes audio, les titres sont ici réarrangés dans des versions plus léchées, nourries de divers samples et de claviers analogiques. Des samples tels ceux du film américain Air, réalisé en 1979 par le cinéaste tchécoslovaque Miloš Forman, que Birds of Canada utilise avec une pertinente parcimonie pour une sorte de remix non officiel du titre Aquarius, que Vince Edward interprétait en 1968 lors de la comédie musicale éponyme dont le film est l'adaptation. Music Has the Right to Children, à l'instar d'Aquarius, est une véritable révélation en cette année 1998 et, pour certains, peut-être le plus bel album de Birds of Canada.
Après un passage durant l'été 1998 dans la célèbre émission de John Peel sur BBC Radio 1, Warp Records profite de l'incroyable buzz orchestré autour de Bards of Canada pour les inciter à enregistrer un nouvel album. Mais c'est un EP 4 titres que le duo livre 2 ans plus tard, en novembre 2000. In a Beautiful Place Out in the Country est d'ailleurs un énorme succès public. Mais les deux frères Sandison se terrent dans leur studio jusqu'en février 2002, où sort enfin le second album paru sur Warp. Attendu comme une sorte de messie électronique, Geogaddy, c'est le nom de l'album, est un véritable triomphe commercial au sein de la scène indépendante. Bardé de samples, de messages informatifs naviguant entre beats lents, atmosphère aérée et rythme cérébral funky, Geogaddy s'inspire librement ici tout autant de Sly Stone que de l'univers ambiant de Brian Eno. Un album sublime, d'une beauté sourde et jamais aseptisée, comme le témoigne le non moins sublime 9069 que j'ai choisi de diffuser pour illustrer cet inoubliable opus, Bards of Canada, sur Campus Bordeaux.
Il aura fallu patienter 3 ans et demi entre la parution de Geogaddy et celle de The Campfire 8 Phase, nouvel album de Boards of Canada, toujours édité sur Warp en octobre 2005. Une fois n'est pas coutume, ce nouveau disque ne ressemble en rien au précédent. Aux oubliettes, les rythmes funk empruntés à Chaka Khan ou Sly Stone, les frères Sandinson se revendiquent ici d'une autre facette de leur influence musicale, puisant cette fois dans la folk principalement canadienne de Joni Mitchell et de Neil Young. Un nouveau coup de génie de la part du duo, qui ne s'éloigne en rien de leur marque de fabrique tout en se réinventant. Par ailleurs, et ce pour la première fois depuis le début de la carrière de Boards of Canada, les frères Sandinson composent certains titres de The Campfire, It Phase séparément. Si l'on pourrait croire alors à une forme de fragilité de par cette nouvelle façon de travailler, il n'en est absolument rien à l'écoute de l'album qui reste certainement le meilleur disque de l'année 2005 où la scène électronique d'alors, dans son ensemble, se mord inlassablement la queue en peinant fortement à se renouveler. Boards of Canada trouve cette année-là un nouveau souffle, comme le prouve l'excellent single extrait de l'album Dave and Cowboy, dont je vous conseille à toutes et à tous de visionner le clip officiel réalisé par Melissa Olson, illustrant le morceau par les magnifiques exploits sportifs du parachutiste Joe Kittinger et du surfeur Laird Hamilton. Dave and Cowboy de Boards of Canada sur le 88.1.
les 3 ans passés d'attente entre les 2 albums précédents. Il aura fallu patienter 8 années pour voir apparaître enfin Tomorrow's Harvest, dernier album en date de Birds of Canada. Vivement acclamé par la critique, le disque, édité en 2013, déçoit néanmoins les fidèles du duo, frustrés par des idées de composition souvent mal développées et une texture de production peu convaincante. Sûrement l'album le plus faible de la carrière du duo, malgré un ingénieux stratagème de communication marketing prônant un mystère digne des Daft Punk, à coups de codes à identifier sur différents médias internet et aboutissant, lorsque ces codes étaient réunis, à l'accès sur un nouveau site web contenant de précieuses informations sur la future sortie de l'album. Un méli-mélo n'ayant pas vraiment trouvé son public, sauf peut-être une petite poignée de fidèles. Restent quelques titres tout de même intéressants à savourer dans l'ensemble, tel le très minimal Reach for the Dead que je vous propose tout de suite d'écouter sur Campus Bordeaux, Birds of Canada. Thank you.
Encore une fois, c'est le silence radar pour Boards of Canada depuis maintenant 3 ans. Excepté deux travaux consécutifs de remix, édités en 2016 pour leur ami américain Odd Nosdam, ainsi que pour le groupe Neverman, mené par le charismatique Mike Patton, par ailleurs chanteur chez Faith No More, Boards of Canada se fait à nouveau désirer pour un temps indéterminé et jusqu'au prochain opus que l'on espère digne héritier de leur brillante discographie. Il est déjà l'heure de nous quitter. Dans une poignée de minutes, vous allez retrouver l'ami Quark et le son métal de Metropolis. Quant à moi, je vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle histoire sonore qui sera cette fois consacrée à l'excellente violoniste baroque et expérimentale Prune Béchaud, qui sera présente dans les studios et nous parlera de son parcours musical. Elle sera accompagnée d'Adrien Bardi-Bienenstock, membre du non moins excellent trio Urzgraf Consort, où Prune excelle également. Un beau et rare moment que je vous conseille de ne pas rater. Belle fin de soirée à toutes et à tous. Merci encore pour votre précieuse fidélité. Nous nous quittons avec le remix de Boards of Canada réalisé cette année pour le compte de Odd Nosdam. Ça s'appelle Sisters et c'est édité sur le label californien Living. À bientôt.